Comment créer son logo gratuitement, deuxième partie. Donc, je t'invite à me rejoindre après le jingle. Hey, c'est Joël Bonny, j'espère que tu vas bien et qu'il ne t'arrive que des choses bien. Bienvenue sur ma chaîne où je te motive, je t'apprends, je t'aide et je t'accompagne à créer des activités sur internet pour pouvoir gagner de l'argent et avoir une indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de comment créer son logo gratuitement à partir de son ordinateur portable ou son téléphone mobile. La première partie, nous avons parlé de l'ordinateur et aujourd'hui, la deuxième partie, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut créer son logo gratuitement. J'ai dit bien gratuitement, avec un logiciel que nous avons déjà vu, Canva, gratuitement à partir de son téléphone mobile. Donc, je t'invite rapidement à me rejoindre derrière. Bon, dans tous les cas, je prends mon téléphone, tu prends aussi ton téléphone. Surtout, n'oublie pas, avant de commencer cette formation, si tu n'as pas suivi la formation, la première partie, je vais te laisser le lien de la vidéo de la première partie en commentaire. Tu pourras regarder comment créer à partir de l'ordinateur portable. Et aujourd'hui, tu pourras voir comment créer à partir de ton téléphone. Et si tu as encore des questions, si tu as des préoccupations, si tu as des idées, partage en commentaire avec nous. Et surtout, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ok? Allons-y rapidement devant notre téléphone. Et c'est là-bas que la magie va se passer. Donc, allez, rejoins-moi, on y va. Ok, d'accord. Comme je vous ai dit, nous sommes maintenant derrière, nous sommes devant mon téléphone. Ouais, nous sommes devant le téléphone où nous allons rapidement installer Canva et puis vous montrer comment vous pouvez faire créer votre logo à partir de votre téléphone. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ont les Android ou les iPhone, voilà, je l'ai dit Mac, les iPhone, ceux qui ont les Android ou les iPhone, c'est pas un souci. Ici, je vais utiliser l'Android, donc vous faites la même chose sur votre iPhone. Pour les Android, on va dans Play Store, qui est là, on ouvre Play Store. Maintenant, pour ceux qui ont les Mac, vous allez dans Apple Store. Voilà, une fois que nous sommes là, on fait la recherche de Canva dans notre, voilà, c'est ça qui est en deuxième position. On lance la recherche Canva comme c'est là. Ouais, mais non, ça arrive. On me demande d'installer parce que j'ai désinstallé Canva. Il fallait que je vous montre comment est-ce qu'on peut utiliser Canva à partir du téléphone pour créer son logo. Maintenant, on clique sur installer. Nous allons patienter le temps que ça tourne. Ça va prendre du temps et puis ensuite du temps. Ça va tourner. Oui. Super, c'est bon, nous avons fini de télécharger notre Canva. On a cliqué sur ouvrir. Et là maintenant on déballe notre Canva, on est en train d'ouvrir notre Canva. Ça c'est Canva sur notre téléphone mobile, voilà. Je vous ai dit que ce soit sur Play Store ou Apple Store. Moi ici je me connecte avec mon compte Gmail parce que ça va vous demander si vous connectez le compte Gmail ou avoir le compte Facebook. Je conseille de connecter le compte Gmail. Là, vous n'auriez pas de soucis. Maintenant, ça me demande, comme j'ai tellement de Gmail, je choisis lequel. Je vais choisir. Non, c'est pas l'autre là que je devais choisir. Oh my god. On confirme, on suit le suivant, mais ça va, on continue. On prend le suivant. Attendez un instant, c'est une autre méthode, c'est pas avec celui-ci que je voulais me connecter. Je vais changer le code, non, c'est pas non plus. Pas non plus, voilà, je rentre encore à zéro. Je vais me connecter avec celui-ci, voilà. Voilà, maintenant je suis connecté, vous voyez mon canal est déjà en train de s'afficher. Ça c'est le Canva mobile, c'est comme ça que le Canva mobile se présente.
je suis là, je suis dans mon Canva, tout. Si vous voulez voir mes designs, ce que j'ai déjà eu à faire, vous cliquez au milieu sur design, on va vous montrer tous vos designs que vous avez déjà eu à faire, n'est-ce pas? Voilà. Ce sont mes différents designs que j'ai eu à faire à partir de Canva. Mais non, c'est pas ça qui nous intéresse. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le logo. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on clique sur la barre de recherche de Canva, on clique logo. On valide. Ça, ça va vous permettre de créer, de faire vos créas, que vous soyez sur place ou pas. Voilà. Le principe reste le même. Hein. Le principe reste le même comme dans le. Avec le la machine. Donc, vous choisissez un logo qui vous a, qui vous marque le plus. On peut choisir. Choisissez un logo qui vous marque le plus. Vous allez choisir lequel. On choisit lequel. On choisit lequel. Ça dépend. Moi, je vais prendre zone. C'est vrai. Voilà, je prends zone. Je choisis zone. D'accord. Zone là. Maintenant, ça dépend. Ça, c'est pour. Ça dépend. Je vous ai bien dit. Vous pouvez courir les. Parcourir les templates, choisir ce que vous voulez. Ça dépend de tout un chacun, de ce qui est dans sa tête. Donc, ne choisissez pas parce que j'ai choisi. Choisissez parce que vous voulez. Vous voulez. Vous avez une inspiration dans la tête et que vous voulez changer. Mmh. Maintenant, je vais changer le zone. Je veux mettre. Light communique. Light zone comme ça. Ouais, je crois. Ouais. Light com. Mmh. Voilà, une fois que j'ai écrit Lightcom, voilà comment Lightcom se apparaît. Et maintenant, je vais aligner parce qu'il faut que tout ça soit sur une même, même ligne, quoi. Maintenant, vous voyez la ligne, là. Vous prenez ce qui est sur le bout, vous maintenez. Vous tirez. Vous agrandissez, ça va vous donner. Ça va vous permettre de mettre... Ça va vous permettre de... aligné, voilà. Une fois que c'est aligné comme ça, on réduit. N'ayez pas peur, hein. Moi je dis toujours aux apprenants, à mes apprenants, que prenez la peine de toujours toucher tout, de tout toucher. Il y a tout dans Canva, vous touchez tout. Si vous ne touchez pas tout, vous n'allez rien apprendre. Vous mettez l'icône comme ceci, vous avez vu. Voilà, j'ai mis l'icône, j'ai agrandi. Donc essayez de tout toucher, hein. N'ayez pas peur, c'est votre téléphone, c'est pas le téléphone de quelqu'un, c'est votre Canva, c'est pas le Canva de quelqu'un, donc n'ayez pas peur que ça va disparaître, ok? Une fois qu'on a mis l'icône là, on met là, on vient ici, on change un petit on met l'icône, un petit slogan, votre image, c'est nous, voilà, voilà ça, votre image, c'est nous, voilà, il y a le logo de l'icône, pour quelqu'un qui est là, il faut qu'il manque T sur l'icône. Que j'ai pas mis, voilà, il manque T là, il manque T, je mets T, ça va faire light, je crois que c'est ça, hein. Excusez, je suis pas trop fort en anglais moi, donc je me je me débrouille pas mal, hein. C'est pas ça les 5 commentaires, comment on écrit light, je vous en prie, voilà. Maintenant, il y a la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit comment ajouter les images. Aujourd'hui, je vais montrer comment on ajoute. Si maintenant vous avez une image, un logo, si vous avez une image que vous voulez mettre sur votre logo, vous venez cliquer sur le plus qui est en bas. Là, vous avez vu, vous pouvez ajouter des textes et des photos. Vous cliquez dessus. On clique sur le plus là. Ok. Une fois qu'on clique sur le plus, maintenant on a les photos. Si vous voulez prendre des photos là, voilà les différents templates de photos que Canva vous propose. Maintenant, si vous voulez prendre les photos dans votre téléphone, vous allez dans importer. Vous cliquez sur importer. Maintenant, quand vous cliquez sur importer, ça va d'abord vous montrer déjà les photos que vous avez eu à importer. Hein? Vos photos que vous avez eu à importer, ça va vous, voilà, voilà une liste de photos qui a déjà été importée. Si parmi les photos que vous avez importées, il n'y a pas votre photo que vous voulez travailler avec, vous cliquez sur importer média. Hein? On est d'accord, on est ensemble, n'est-ce pas? Maintenant, importer média, vous avez le choix. Vous avez maintenant le choix de prendre la photo que vous voulez, où vous voulez. Hein? Je vais prendre un peu les mails ici là. Quand vous cliquez, peut-être, vous cliquez sur la photo, comme j'ai cliqué, vous voyez, ça charge. Hein? Ça change la photo. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, je crois que c'était en commentaire sur la précédente vidéo, la première partie où on fait avec la machine. Donc une fois, c'est le même principe avec la machine. Une fois que la photo est déjà là dans les photos importées, vous cliquez dessus et maintenant ça va vous renvoyer ça dans votre Canva. Vous voyez, voici ça ici. Si je veux mettre ça quelque part, je réduis comme ceci.
Je pose ça quelque part. C'est un exemple, c'est pas pour dire que c'est un logo que je suis en train de faire, c'est pour vous montrer comment vous pouvez ajouter des éléments. Hein? Vous ajoutez des éléments au logo, ça c'est ça. Maintenant, si vous voulez peut-être ajouter un téléphone, si c'est un téléphone que vous voulez mettre au je sais pas, un parapluie, quelque chose, hein? Vous venez toujours sur le même bouton. Attendez, je rentre, je vous montre. Hein? Vous venez toujours sur le même bouton, vous cliquez le plus là, d'accord? Maintenant, ça vous présente, hein, voilà ça. Et vous choisissez, il y a modèle, il y a élément, il y a test, il y a style, il y a galerie, il y a arrière-plan, il y a graphique. Et il y a le plus, vous cliquez sur plus, vous allez voir beaucoup d'autres choses, des photos, des audios, des vidéos, des dossiers. Hein, donc, ça dépendra de vous. Voilà le QR code, pour ceux qui veulent le QR code, voilà le Google Maps, pour ceux qui veulent le localiser. Vous voyez un peu, il y a aussi des logos, comme le logo d'Instagram, Facebook, YouTube, tout ce qui va avec. On est d'accord, voilà. Vous cliquez sur éléments pour celui qui veut intégrer n'importe quoi. Vous cliquez sur éléments. Dans éléments, vous pouvez avoir des téléphones. Voilà déjà. Et les éléments utilisés. Vous avez le téléphone. La dernière fois, j'ai utilisé ceci pour faire un truc. Pour faire un travail. Oh, c'est avenu. J'ai validé sans savoir. Voilà. Et maintenant, quand vous validez peut-être un élément comme ça sans savoir, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur effacer. Vous sélectionnez d'abord l'élément et puis vous cliquez sur effacer. Parce que si vous passez sans sélectionner, ça va supprimer tout votre travail que vous avez fait, ok? Voilà, va bien. On va choisir, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce que vous voulez intégrer. Donc ici, vous avez toute une liste des éléments. Il y a les éléments ici, tout ce que vous pouvez choisir. Donc ce que je vous invite à faire, je vais vous donner un exercice, c'est que chacun puisse créer son logo et venir le mettre en commentaire. Que voilà mon logo, s'il y a des modifications, si vous avez du blocus, créez votre logo, n'oubliez pas, mettez en commentaire. En attendant que le groupe, parce qu'on va créer un groupe WhatsApp et un groupe Facebook, où dès que nous serions peut-être 1000 abonnés déjà sur cette chaîne YouTube, on va commencer à faire des directs pour pouvoir travailler. On va faire des directs, on va programmer des directs où on va travailler ensemble, ok? On va faire des directs où on va travailler ensemble, où je vais prendre un temps. M'occuper de vous en live, vous allez souligner vos problèmes rapidement, on va résoudre. Mais pour ce faire, il va falloir inviter beaucoup de monde, beaucoup, liker, commenter, partager. Sinon, on ne va pas atteindre nos objectifs. Pourquoi atteindre nos objectifs? C'est 1000 abonnés. Et ensuite, on commence à faire des directs pour travailler, pour apporter un peu de soutien aux uns aux autres. C'est gratuit, ce sera gratuit. On ne paye rien. La seule condition, c'est qu'il faut que nous atteignions au moins les 1000 abonnés. D'accord? Donc, toi qui es en train de regarder cette vidéo, ne pars pas sans laisser un commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'es pas abonné, partage maintenant. Invite des amis, invite des camarades, invite parce que nous sommes à l'aide du digital et nous apportons notre soutien à la grande famille pour que chacun puisse faire des économies et pouvoir gagner beaucoup. Hein? On dépense peu et on gagne beaucoup. On est d'accord. Donc, concentrons-nous ensemble ici sur ce projet. Après les logos, nous allons attaquer le montage des flyers, comment on fait des PowerPoints, on va faire tout ça ici pour que chacun puisse arranger l'image de son business, que chacun puisse produire des éléments de communication pour son business, que ce soit sur WhatsApp ou tout ça. Hein. Vous n'aurez plus à vous casser la tête derrière un infographe, vous prenez en 2-3 minutes, vous créez votre flyer, vous partagez, vous vendez vos produits, vous vendez vos services. D'accord, on revient maintenant au cours. On clique, vous avez choisi l'élément, c'est bien. Vous avez choisi votre élément, hein, c'est bien, vous venez, vous mettez là. Hein. Quand vous avez validé votre élément, vous comptez, ça va apparaître ici. Une fois que votre logo, ben là ici, comment est-ce qu'on exporte un logo à partir de... Vous connaissez comment on change de couleur, non? Vous pouvez cliquer sur couleur. Hein? Si vous voulez changer peut-être la couleur du rose là, vous cliquez sur, vous venez sur couleur, vous changez. Hein? Vous choisissez ce qui vous arrange, ok? C'est sans protocole, on est d'accord, voilà. Même chose ici. Partout, vous voulez changer de couleur, vous faites le même principe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer comment on exporte. On appelle ça exporter en termes. En termes techniques, on appelle ça exporter. Exporter, c'est quoi? Exporter, c'est sauvegarder son image créée dans son téléphone ou dans sa machine. Ok? On clique sur la flèche. Vous avez une flèche en haut là qui descend. La flèche en haut, c'est la première ligne là qui descend. Vous cliquez sur la flèche. Une fois que vous avez cliqué sur la flèche, on vous montre ça. Vous cliquez sur enregistrer comme image. Voilà, c'est la venue. Vous cliquez sur enregistrer. Vous save. Ok? Maintenant, pour ceux qui viennent installer Canva, on va vous demander de donner l'autorisation à Canva de sauvegarder vos créas. Quand on parle de créas, on parle de ce que vous avez fait. Là, monsieur, vous créez dans votre téléphone. Canva est en train de préparer
l'enregistrement de votre dossier, vous voyez que ça monte le tube là. Une fois que c'est là, vous pouvez sortir, vous pouvez partager par WhatsApp, vous pouvez envoyer à un ami, tout ce que vous voulez faire. Ça dépend de vous. Moi, quand je suis à ce niveau, pour moi, c'est bon. Maintenant, je rentre dans mon téléphone. Vous rentrez dans votre galerie, dans votre téléphone, vous cliquez sur galerie, vous cliquez sur album. Vous allez voir le fichier Canva. On va voir le fichier, non, il n'y a pas moi. Vous allez voir le fichier Canva. Mon téléphone est à une disposition, moi qui est organisé. Voilà. Vous allez trouver le fichier Canva quelque part. J'ai tellement de Canva parce que je travaille beaucoup avec Canva. Dans tous les cas, vous rentrez, vous allez trouver le fichier Canva. Et vous allez cliquer pour voir votre téléphone. Je sais pas où c'est parti. Vous allez un peu m'excuser. Attendez, aidez-moi, je cherche. J'ai vu Canva. Je suis pas en train de le trouver là. Mais dans tous les cas, vous auriez un fichier Canva. Où vous pouvez rapidement voilà picture, voici ici ça c'est dans picture, vous cliquez sur picture et voilà, vous avez votre logo là, vous avez l'autre logo, le logo est là et le logo est fait. Et maintenant vous pouvez charger dans vos pages Facebook, Instagram, Twitter et tout ce qui va avec à partir toujours de votre téléphone, hein. Maintenant si on va faire un truc simple, la dernière fois j'ai lancé un jeu concours pour donner la place à 5 personnes de pouvoir suivre une formation gratuite, une formation complète sur Canva, parce qu'ici on va aller de module en module, ok. On va faire un jeu entre nous pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Vous allez mettre en commentaire Canva. Quand vous mettez en commentaire Canva, ça me permet de savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous mettez en commentaire Canva. Une fois que vous avez mis en commentaire Canva, j'ai une grosse surprise pour vous. Je vais vous contacter je vais vous répondre à votre commentaire, laissez les coordonnées, vous allez me contacter et je vous envoie votre surprise, ok. Écrivez juste Canva, j'ai dit juste Canva, vous avez une grosse surprise en cadeau, ok. Bon, sur ce, je crois que je vais vous laisser, passer une bonne journée. Si vous avez des préoccupations, laissez un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like sur la vidéo si vous avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de partager pour aider d'autres personnes, parce que pour gagner, il faut aider. C'est en apportant de l'aide à quelqu'un qu'on gagne aussi. Portez-vous très bien et bonne semaine.